Ce soir, nous avons commencé par la fin. C'est curieux, mais c'est comme ça. Parce que nous avons commencé avec le film de la tragédie de Carmen. Mais avant le film était précédé par la pièce de théâtre que nous avons montée dans notre théâtre Les Bouffes du Nord. Et avant la pièce aux Bouffes du Nord, il y avait un long, long travail de préparation, de répétition, d'exercice, tout ce que normalement pour nous est couvert par le sceau du secret, parce qu'on ne laisse jamais, jamais entrer dans nos répétitions ni les professionnels, ni nos amis les plus intimes. Au contraire, on garde le secret. Mais il faut parfois casser les règles. Et cette fois-ci, nous avons décidé de faire exactement le contraire, d'introduire la caméra dans les exercices de préparation pour la tragédie de Carmen. Voilà, je vais faire une réponse, Charles. Tu veux que je fasse le même travail? Oui, oui, je reste là-dessus. Alors, c'est Véronique qui commence avec Howard. Really receive what coming from her. That the silence is the important as the sound. Chaque matin, le travail commence avec une série d'exercices physiques. Des exercices qui animent le corps et qui animent le groupe tout entier, où on fait des mouvements très très rapides qui passent de l'un à l'autre et où peu à peu une forme de télépathie à l'intérieur du groupe s'installe. Ce qui permet à chacun d'avoir la confiance profonde de savoir exactement ce qu'il est en train de faire de l'autre, même sans le regarder. Ce genre d'exercice, nous demandons d'une manière tout à fait normale aux acteurs. Et ici, c'était possible de demander à de jeunes chanteurs parce qu'ils étaient disponibles, tout en sachant que les mêmes exercices seraient refusés d'emblée par des chanteurs ayant une formation dans les institutions traditionnelles, parce qu'ils seraient obligés, à cause de leur formation, de nous dire tout ce que vous nous demandez est impossible. C'est très dangereux, les tatamis avec les chaussettes. C'est dangereux en chaussettes? C'est dangereux en chaussettes? Pourquoi? Faites deux par deux, trois par trois. Deux. Complètement en extension. Retournez presque. Oui, ouais. C'est bien, Cynthia. Allez, vas-y, on est là. Oui. Oui. Non. Oh, bravo, messieurs. Comment j'ai fait? Parmi les exercices de préparation, les exercices de musicaux purs, nous avons fait une chose qui ne se fait pas pratiquement, c'est-à-dire on a demandé aux chanteurs de chanter la partie d'orchestre. Vous savez que les chanteurs d'opéra connaissent admirablement bien leur rôle, mais ils ne savent jamais ce que l'orchestre joue. Alors ici, le but de cette opération, c'est que les musiciens assimilent, les chanteurs assimilent la partie des musiciens et qu'au moment où ils chantent, ils savent parfaitement ce qui les accompagne, ce qui est autour d'eux. Et ça leur donne beaucoup plus de liberté et d'aise pour pouvoir chanter un air. Voilà par exemple ce que ça donne, l'air de la fleur
accompagné par une chorale. La chorale, c'est la chorale de nos chanteurs. Ici, avec Marius Constant, on chante ensemble de Carmen, de Micaela, de Don José et de Toreador. Ce qui est très important dans un exercice, dans un théâtre, est que tout le monde y participe. Non seulement les acteurs et les chanteurs. Il faut que tout le monde qui travaille ensemble ait la possibilité de se montrer ridicule, complètement ridicule, devant les autres. Le vrai théâtre, c'est une expérience commune, une expérience partagée, donc une expérience d'ensemble. Rien n'est plus loin du vrai sens du théâtre que la mise en valeur d'un individu, juste pour montrer que cet individu, par exemple un chanteur, est capable de faire une chose contre nature, c'est-à-dire de chanter une note aiguë au-dessus de 60 ou 70 ou 80 musiciens jouant avec toute leur force. Ça, c'est une démonstration ridicule qui n'exprime rien et qui ne sert à rien. Et tu tournes autour, tu utilises toutes les directions. Ah, toute seule. Toute seule, oui. Ah, oui. Ah, oui. C'est parti. Ah, oui. Avec ta force. Sur le tamis. Oui, oui. Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville. Oui, mais tu chantes. Tu chantes. Parfois bas, parfois mezzo, parfois très fort. Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville. La route n'est pas longue, une fois assez vite. Tu chercheras, fils mon José, mon enfant. Oui, mais tu chantes. Non, mais il faut vraiment... l'exercice n'existe pas si tu ne fais pas en même temps un effort pour chanter bien. Il faut que tu chantes comme... J'observe. Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville. La route n'est pas longue, une fois assez vite. Tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant. Tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant. Oui. Et ça suffit, tu répètes uniquement cette phrase. Oui. Et alors maintenant, mais tu fais sans aucune concentration. Hein. C'est vraiment de le chanter avec la plus grande pureté du torrent. Aussi bien que possible. Et en même temps, tu fais des petits mouvements, tu t'arrêtes. Tu fais des mouvements, tu trouves des petites impulsions, tu tombes, tu essaies de développer la difficulté, mais toujours en maintenant une grande pureté de chant. Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville. Non, je crois qu'il vaut mieux commencer sans bouger. Tu commences en te donnant toute ton attention au chant, et puis tu commences à faire ce que tu viens de faire. Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville. La route n'est pas longue, une fois assez vite. Tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant. Tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant. Tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller. Maintenant, il faut tenter un exercice de rapidité de pensée. Il est très important qu'un chanteur s'exerce à penser beaucoup plus rapidement que la phrase musicale. On lui demande de faire deux choses à la fois. D'abord de chanter, et de chanter très très bien. Et en même temps, de taper à la machine. Si, tout en essayant de suivre la trame musicale, il essaie de parler à l'intérieur de lui-même
et ensuite à haute voix, et de taper mot pour mot cette lettre, il est devant une vraie difficulté, et cette difficulté l'anime. And I change it to switchboard. Maintenant, à la place de la machine à écrire, on introduit une autre image, un standard téléphonique. Ici, il s'agit d'improviser avec des phrases qui sont logiques, qui s'enchaînent, qui se suivent, ce qui demande une très, très grande concentration, une grande animation de la part du chanteur. Et en même temps, il continue à donner une grande partie de sa concentration et de sa sensibilité à la musique. Sweet. With this group. Starting with group B, sweet pianissima. Ne quittez pas. OK. Try to do the improvisation in Russian style, Boris Godunov style. Very British. Basses. Like monks. Without vibrato. Difficulté des chanteurs est que leur corps est toujours envahi complètement par la musique. C'est comme si ce qui sort de l'orchestre touche directement à leurs muscles. Alors pour les libérer, une chanteuse travaille avec un acteur. Elle chante, elle écoute la musique, mais en même temps, l'acteur lui donne des provocations inattendues. Et comme dans un miroir, elle doit l'imiter. Donc, elle doit chanter et en même temps avoir un corps complètement disponible. Et chante pizzicato également. Mais sans faire les jetons. Ah oui. Legato. Attends. Alors nous chantons legato. Et maintenant, vous le faites uniquement avec des petites expressions de visage. Avec elle. Vous jouez uniquement avec le visage. Non. Et toi, pizzicato. Minus three. I don't know two. If you've ever experienced. Have you ever had tea in England? Tea in England? Yes. Is it any different than here? Yes, two plus four. Six. Ici, le chanteur reçoit des questions et des provocations venant de trois personnes à la fois. Pour cette raison, il est exactement dans la même situation où il se trouve pendant une représentation. Parce que pendant une représentation, il doit donner toute sa concentration à la personne avec qui il chante, la personne qui est devant lui. Et en même temps, il doit être totalement concentré sur l'orchestre. Et en même temps, il ne doit pas perdre de vue pour une seule seconde la présence du public. Donc, il doit faire trois choses à la fois d'une manière totalement engagée. Et dans cet exercice, il se trouve dans la même situation. Il doit être comme quelqu'un au milieu d'une bataille
qui doit faire face à tous les combats à la fois sans pour une seconde perdre son sang-froid. Et deux. Douze. Five speed. Or four speed. No, it's five. Trois et trois. Six. Et four go down. How do you make this? Backwards. Et which color is the seat? Black. Huit moins deux. Huit moins deux. Huit moins deux. Six. Plus trois. Neuf. Moins un. Oui. Okay, and increase the tempo, everybody. How do you count? C'est un. My air! No! Yes! Sept et un. Huit. Moins un. Et after, don't faire autre chose. Luxembourg. Plus un. Comment? Plus un. Qu'est-ce que tu as dit? Huit plus un. Deux. Could you tell me the name of your mother? Karin. Huit plus un. Sister. Marlene. Lua, huit plus un. Ok. Il y a trois tapis. Il y a le tapis piano, mezzo et fortissimo. Il faut passer d'un tapis à un autre, donc suivre une exigence très très dure et en même temps maintenir un contact très souple avec l'autre personne. Donc l'improvisation doit s'enchaîner d'une manière tout à fait naturelle. Soit on paiera, mais vous nous avez nos filles de bohème, savez-vous bien qu'il faut payer. Mais vous nous avez nos filles de bohème, savez-vous bien qu'il faut payer. It's very good. Somebody else like try it. It's very interesting to try it in that way. They had different carpets. Mais pour nous élever nos filles de bohème, savez-vous bien qu'il faut payer? Mais pour nous élever nos filles, même accompagner ma danse, savez-vous bien qu'il faut payer? Mettez-vous là, Don José, savez-vous bien qu'il faut payer? This could be very good, but you must be much listen to one another much more seriously. You're both now getting over. Il faut écouter. Really, il faut s'écouter l'un l'autre. Repeating the same phrase always. Pour nous enlever nos filles de bohème. Savez-vous bien qu'il faut pire. Il souffre de partir, car jamais, jamais femme. Mais pour nous élever nos filles de bohème, savez-vous bien qu'il faut payer. Il souffre de partir, car jamais, jamais femme. Mais pour nous élever nos filles de bohème. Nous prenons beaucoup de précautions pendant nos exercices, mais quand même, il faut prendre des risques. Il y a toujours des dangers, et à vrai dire, tout le monde a eu des bleus à un moment ou un autre. Mais ce n'était pas très important, parce que ce qui est important était de travailler dans la joie et dans la détente. Mais attention de ne pas sortir des tapis. OK, trois autres, tout de suite. Pardon, que tu y crois pas? Qu'elle peut t'attaquer de cette manière. Oui, bien sûr. Sûrement, oui. Une femme. Hein. Alors elle commence à jeter, puis tout d'un coup, elle envoie un vrai
caillou, oui. Jeter les cailloux comme un petit enfant qui joue et puis il y a une vraie menace avec un caillou. Et ensuite, ça change complètement. C'est une femme qui s'offre à un type. Hein, et en même temps, hein, et il va s'approcher, et à nouveau, ça change. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui change d'une manière permanente. C'est jamais le même état, c'est ça. Alors c'est bien d'éclisser, là. Qui lui a fait ça? Qui lui a fait ça? Je t'ai posé une question! Normalement, dans les grands opéras où les répétitions sont très courtes et tout le monde est très très tendu, les chanteurs sont très fatigués, très rapidement fatigués et surtout fatigués vocalement. Mais chez nous, c'était exactement le contraire. On répétait pendant des heures et des heures et des heures sans s'arrêter. Les chanteurs chantaient tout le temps. Tout le jeu, c'est entre la force et cette détente insolente. Mais si on reste tout le temps, ça devient ennuyeux et beaucoup moins vrai, moins vivant si on est tout le temps dans la même tension. Je t'ai posé une question! On a eu trois distributions et c'était très enrichissant parce que dans les répétitions, on a travaillé très souvent tous ensemble. Trois Carmen, trois Don José qui ont exploré les mêmes scènes en faisant les mêmes choses au même moment. Allez, attache là. Allez vite. Vite. Allez vite. Ah. Mène-la en prison. Allez, venez. On ne peut pas demander à un acteur de donner les rythmes et les intonations de son texte dès le premier jour. We have silence everywhere. Eva. Ouais. Il faut commencer d'abord avec la compréhension. Il faut comprendre le personnage qu'il joue. Et puis, il peut comprendre pourquoi et comment cette personne s'exprime. Ça devrait être la même chose pour les chanteurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans les grands opéras? Dès le premier jour, un musicien donne une partition au chanteur et lui tire l'attention tout de suite sur le moment où il faut qu'il chante fort ou il faut qu'il chante bas. Ce n'est pas juste, ce n'est pas naturel. Le chanteur, comme l'acteur, doit commencer très doucement en partant de l'intérieur. D'abord, il doit chercher à comprendre son personnage. Ensuite, il doit prononcer que le texte, et que le texte très bas, pour lui-même, pour qu'il en découvre la réalité. Ensuite, il doit commencer à le chanter, mais encore très, très bas, pour sentir pourquoi le compositeur a donné telle et telle mélodie à telle et telle phrase. Et peu à peu, une vraie conviction peut commencer à s'installer en lui. Il commence à comprendre l'action, il commence à comprendre ce qu'il a à exprimer, ce qu'il veut exprimer. Et quand à la fin d'une longue série d'expérience de cet ordre, il chante, et il chante en public, il n'a plus du tout besoin d'un monsieur devant lui avec un bâton qui l'indique plus fort maintenant, plus bas maintenant. Il est complètement libre. Il n'est plus du tout esclave. Bon, enlevez vos chaussures et mettez-vous très proches l'un de l'autre. Je voudrais qu'on explore la relation entre Micaela et Don José,
en essayant d'utiliser tous les éléments que nous avons découverts pendant nos improvisations. C'est-à-dire, on prend tout le matériel du village, la vie de Don José dans son village, le fait qu'il avait quitté son village à cause d'une bagarre et qu'il a peut-être tué quelqu'un pendant ces bagarres, comme dans le livre de Mary May. Essayez de retrouver toute cette information, le fait qu'elle était loin de son village pendant au moins une année, peut-être même 2 ans. Il n'a eu aucun contact avec sa famille. Et subitement, un jour, Michaela est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, on le fait qu'avec le texte, sans chanter, uniquement avec les regards. Allons-y. José? C'est votre mère qui m'envoie. Parle-moi de ma mère. Parle-moi de ma mère. J'apporte de sa part, fidèle messagère, cette lettre. Une lettre? Et puis un peu d'argent pour ajouter à votre traitement. Parle-moi de ma mère. Parle-moi de ma mère. J'apporte de sa part, fidèle messagère, cette lettre. Une lettre? Et puis un peu d'argent pour ajouter à votre traitement. Oui, je parlerai ce que l'on m'a donné. Je vous le donnerai. L'idée de musique de chambre qui préside à cette entreprise fait que les chanteurs doivent chanter ça comme des leaders, comme des mélodies. Et quand on chante des leaders, on n'a pas un chef d'orchestre. Donc le chef d'orchestre est ici un personnage très utile et indispensable, mais on ne le voit jamais. L'amour est un oiseau rebelle qu'une île ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Rien n'effet menant son prieur, l'appelle bien l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Il n'est pas vrai que tous les chanteurs sont des bouts de bois nés. Il y a beaucoup de chanteurs, surtout de jeunes chanteurs, qui ont choisi l'opéra comme carrière, non seulement parce qu'ils possèdent de très jolies voix, mais parce qu'ils ont quelque chose qu'ils voudraient exprimer à travers le jeu théâtral. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils commencent leur carrière dans les grands opéras où très souvent ils n'ont que 2 ou 3 répétitions sur scène. Alors ils ont si peu de répétitions. Ils sont entourés des gens si inquiets, il y a un tel climat d'hystérie, d'affolement, qu'ils sont obligés de copier ce qu'ils ont vu ou ce qu'on leur indique, c'est-à-dire de faire du jeu conventionnel. Alors tout est conventionnel, faux et extérieur. Mais c'est un grand avantage, parce que c'est tellement superficiel qu'il s'agit de leur donner d'autres conditions
pour que leurs instincts commencent à revenir à la surface et leur vrai talent commence à s'exprimer normalement. Et comme ils sont, à cause de cette mauvaise formation, comme des vierges, très souvent, ils sont plus justes que les vrais acteurs qui sont parfois déformés par leur expérience théâtrale. Je crois qu'il faut le reprendre à partir du moment où vous revenez. Vous savez, je crois que vous serez mieux pour rentrer dedans. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, while we're about it, I'd like to go back on this, go back a little earlier. Please, quand tu es par terre et quand tu chantes toutes ces dernières parties, parce que, tu vois, tu es, oui, ça, l'amour, parce qu'on a complètement perdu là. Mais je toi, commence là et puis on m'attrape. Hein. Oui, oui, parce qu'on a complètement perdu là la continuité de la pensée, le fait que ça devient des pensées de plus... Attends! Que ça devient que tu les quittes, tu chantes d'abord, tu t'en fiches, tu chantes pour eux, et puis c'est pour toi-même. Tu repasses toi-même par tous tes souvenirs les plus intimes, des amours catastrophiques, désastreux, ce que ça veut dire pour toi. Et vers la fin, quand même, tout en sachant que ce sera encore une catastrophe, tu t'engages dedans, il revient, et puis vous vous sortez joyeux pour... qui est tout ce développement. Parce que là, par exemple, quand tu es entré par la porte, il n'y avait aucune vie, aucune pensée. Alors, on le reprend pour essayer d'y arriver d'une manière convaincante. Et les Carmen arrivent toujours, toujours en retard. Je ne sais pas si toi, Eva, je ne sais pas si elle le fait, mais en général, les Carmen sont toujours en retard à la fin. Oui, toutes. Parce qu'elles font une chose qui est excusable, quand elles sont en retard. Oui. Ouais. Au lieu de faire le tour. Ouais. Quel tour? Ah ouais. Ah, alors on va corriger ça tout de suite. C'est après la cape ici. Oui. Quand ils prennent la cape dans la figure, maintenant ils sont là, ils font ça tout de suite. Au lieu d'attendre un moment. Ah, voilà. Il faut attendre vraiment la limite, c'est-à-dire le moment où le dernier moment. Alors il faut bien expliquer ça à Howard cette fois-ci. Ok, on y va. Comprenez-vous, le discours est très net. Ce brigadier, ce beau soldat qu'elle aime, ou du moins qu'elle aimait, c'est dans vous. Oui, c'est moi-même. Je suis ravi, mon cher. Je suis ravi, mon cher. Et le tour est complet. Plusieurs des chanteurs sont arrivés ici avec l'idée qu'il serait très difficile de chanter et de faire des mouvements. Parce que c'est une idée qu'on leur avait donnée dans le passé, mais chez nous, ils n'avaient pas eu la moindre résistance de leur part, parce qu'ils ont découvert presque tout de suite que ce n'était pas vrai. Ils étaient même très très contents, même excités de découvrir qu'ils pouvaient faire des choses qu'on leur avait dit étaient impossibles pour des chanteurs. Tous les exercices différents sont comme des préparations pour le très grand exercice qui est la représentation. Alors, avant la représentation, il y a encore un petit exercice à faire, un exercice de détente que les acteurs et les chanteurs font ensemble dans une loge. Et en même temps, dans la rue, il y a le public qui attend en faisant, sans le savoir, aussi une forme de préparation, parce qu'il se prépare pour le moment culminant, qui est la rencontre qui aura lieu
dans un instant dans la salle. Et nous, les personnes qui ont leur billet peuvent rentrer tout de suite dans la salle. Les places ne sont pas numérotées. Rentrer directement dans la salle des personnes qui ont des billets. C'est un peu compliqué, mais... Bonjour, Micheline. Bonjour. C'est les gars, c'est vrai? Oui, bien. Il y a des places, et puis quand il viendra, on l'invitera. Ça, c'est gentil. Merci pour la monnaie. Oui, un 4 heures. À quel nom? Vous avez mon billet, vous... Vous allez vous garder une plaque, je n'en sais rien. Quand j'étais petit, ma mère disait parfois « Allons au théâtre ». Et mon père me prenait par le bras et me fait un clin d'œil et dit « Non, 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 c'est pour elle, c'est pas pour nous, parce que c'est pour les intellectuels. » Et ça laissait une trace. Depuis, j'ai toujours voulu que le théâtre soit pas pour les intellectuels, mais pour tout le monde. Et que maintenant, nous faisons au Bouffe du Nord ce que nous appelons un travail de recherche. Mais avec ma partenaire Micheline Rozan, nous avons toujours eu, depuis l'ouverture du théâtre, une politique très précise, d'être totalement accessible, quelle que soit la nature de notre travail. Alors ça veut dire non seulement accessible dans la relation entre le spectacle et le public, mais aussi dans le prix des places. On a pratiqué une politique de prix très très bas pour que le théâtre soit accessible à la plus grande quantité de personnes différentes, comme dans le théâtre shakespearien. Comme nous sommes entrés pour la première fois dans les Bouffes du Nord il y a 10 ans, nous, c'est ma partenaire Micheline Rozan et moi, nous sommes dit, il faut que ces murs chantent. Et depuis, à plusieurs reprises, on a essayé d'introduire la musique d'une manière naturelle dans tous nos spectacles. Mais c'était seulement quand un jour, le directeur de l'Opéra de Paris, Bernard Lefort, est venu me voir pour me proposer de monter un opéra au Bouffe du Nord, que la décision a été prise. Le choix semblait assez curieux, à première vue. Pourquoi Carmen? Parce que pour tout le monde, Carmen, c'est le spectacle. À l'origine de l'opéra comique le plus célèbre du monde, sans doute, je crois qu'il est le plus célèbre que Faust, il y a la nouvelle de Prosper Mérimée qui a été écrite sous le Second Empire, mais que Prosper Mérimée a placée plus tôt. Il la situe en 1832 en Espagne. Il faut se rappeler que Goya meurt en 1828. Donc, en évoquant Goya à propos de Carmen, on n'est pas loin, chronologiquement. À cette époque-là, l'Espagne est un pays, en Europe, presque africain, très étranger, très redoutable, où on ne pénètre que difficilement. Il y a des bandits, on le connaît peu, le Greco est encore un peintre inconnu. Donc c'est un territoire dangereux. C'est à partir de cette nouvelle de Mérimée qui réellement invente le personnage que Meillac et Halévy, deux librettistes célèbres qui ont fait je ne sais plus combien de livrets d'opéra au XIXe siècle, et Bizet,
jeune et brillant compositeur, ont composé leur opéra comique, et en supprimant tout ce qui était goyesque. J'étais profondément convaincu, et j'ai partagé la conviction avec Marius Constant et Jean-Claude Carrière, avec qui nous avons fait l'adaptation, que Carmen était, pour Bizet, un opéra intime. Que Bizet, quand il a lu la nouvelle, très très essentielle, très serrée, très pure de Mérimée, était touché par cette œuvre dans une forme qui est très très loin de la forme très élaborée et décorée que l'opéra a pris par la suite. Et tout le reste, les grands chœurs, tout le reste, faisait partie d'une deuxième œuvre, d'une œuvre secondaire qu'il a écrite plutôt pour plaire au goût et aux nécessités de son époque. Carmen a été créée en 1975 à l'Opéra Comique, qui était un théâtre familial, où les gens, officiels et familial, où les gens allaient de façon extrêmement convenable le soir, et où il était hors de question de présenter sur une scène pareille un personnage qui était tout simplement une prostituée. Car si on lit clairement et simplement la nouvelle de Mérimée, elle est une voleuse, une prostituée et une sorcière. C'est un terrible scandale, au point que, dit-on, Bizet en est mort 3 mois après. On a essayé d'enlever la décoration autour de Carmen pour en extraire qu'on a appelé par la suite la tragédie. Un vrai personnage tragique, si on le regarde attentivement. Car d'une part, elle dit que tout est écrit. On ne peut rien changer au destin individuel. Elle le dit dans l'air des cartes. Et en même temps, elle dit qu'elle est libre. Libre, elle est née et libre, elle mourra. Comment peut-on être libre si tout est écrit? C'est la contradiction fondamentale de tout personnage tragique. Et elle résout cette contradiction à sa façon, qui est, quand on ne peut rien faire contre le destin, il faut l'accepter, il faut l'accueillir à bras ouverts. Et c'est ce qu'elle fait avec sa mort.